Non, nous on va prendre Dream Team du coup. Alors, on a dit qui comme équipe? Parce que là, bon, Merky et compagnie, c'est bien beau, mais. Nous on a dit qui? On a dit Bonhomme. Il est beau. Il est très très beau. On a dit. Monsieur Fabio. Fabian. Bien sûr. On a dit Purito. Bah oui, obligé. On a dit. Alberto? Sir Bradley, bien évidemment. Ce bon vieux Marcel. Il m'en manque là. Andy. Et Cadel? Oh bah c'est parfait! Mais non, mais là c'est nickel là! On a général avec Contador, alors je reprécise, peut-être que vous étiez pas là. Nous sommes avec les légendes, on a modifié un peu les notes et on les a baissées parce que pour pas que ça soit trop cheat non plus et que. Bah juste qu'on roule pas sur tout le monde quoi. Sinon c'est chiant aussi. Bah non monsieur. Ah oui, il y a eu Shoved aussi. Ah ouais, mais tu vas enlever qui là? Non, c'est bien là en vrai. Hein. Touche pas à Bradley. Oh bah non, Bradley il reste là. Hein. Pas besoin de Kittel. Bah si. Si, si, si. Si, si, mais pour Kittel il reste là, vous êtes fous quoi. Non, je pense que c'est bon. Hein. Je pense que c'est bon. Bon, par contre, je vous le dis direct. L'étape des pavés, on va se la jouer avec Bonhomme Cancellara. Contador, il va se démerder. On va essayer de jouer avec un max. Hein. Là, on va pas se cantonner à rester sur Contador et gérer les autres avec l'oreillette. Bonhomme est mieux en sprint que. Ah oui, j'avais pas vu. J'ai oublié de modifier ses notes à Bonhomme. Vas-y, c'est pas grave. On joue les sprints avec Bonhomme. Vous aimez pas Kittel? Putain, ça se voit, vous aimez pas Kittel. Ouais, mais vous préférez qui à la place de Marcel? Putain, mais ça n'aime pas Kittel, mais moi ça me rend trop triste d'entendre ça. C'est quoi ce bordel? Personne n'aime Kittel. Bah ouais, c'est quoi ces gens qui n'aiment pas Kittel là? Oh, on est où là? Attendez, j'espère pas, mais. C'est-à-dire que là, on dit pas que le jeu il a crash, putain, je déteste ce jeu, c'est pas possible. J'ai fait quoi? Je pense que c'est le destin. Je pense que c'est le destin et il faut juste partir avec tort. Je pense que c'est le destin. Hein. Le destin. Oh non, non, c'est le destin, je pense. Non, mais non, et attends, vous êtes fous. Non, moi je joue avec Marcel, allez hop. Bonjour les gars. Non, vous êtes malade ou quoi? Oh, Marcel Kittel, tout ça. Non, non, année 2015 et tout. Allez, oh, laissez-moi tranquille. On va jouer avec Marcel. Alors, ça va pas la tête ou quoi? Eh. Arrêtez. C'est honteux. Ah, bah non, 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 vous êtes complètement fous. Yo, Clément. Vous êtes complètement fou furieux. Bon, attends, je vais me mettre dans le titre par contre. Si vous venez d'arriver, on vient de faire le parcours, on vient de faire l'équipe, donc on va jouer. Nous partons pour un My Tour de 11 étapes avec une équipe de légende des années 2010, on va dire grosso modo. Contador, Schleck, Purito, Kittel et compagnie. On a baissé un peu leur stats pour pas que ça soit sur-cheat non plus. Et on va se régaler. Ouais, assassin. Mais arrêtez! Mais c'est vous des assassins! Vous n'aimez pas le vélo! Je vous regarde droit dans les yeux en disant ça. Vous n'aimez pas le vélo pour refuser Marcel dans l'équipe.
Vous êtes des assassins. Salut Jean. Ça vaut quoi, Bastien? C'est vous les assassins. Laissez Marcelo tranquille, là, ça va pas la tête. Avec les légendes de notre enfance. Magnifique. Bon, à part si vous avez 42 ans, c'est pas votre enfance. Vous étiez déjà majeur, pardon, mais... Enfin, je pense que t'as mal vu, mec, parce que Bonhomme, c'est 85 pavés. Elle va animer le groupe Eto. Laissez Marcel tranquille, ok? Avec Contador. Ah, vous avez grandi avec qui là? Avec les ceux qu'on a pris là ou ouais, encore plus vieux? Les gens de mon enfance, c'est Riblon, désolé. Pardon. Excusez-moi. Bon, on est parti. Chrono de Saint-Cyr l'école. Putain, c'est vrai, mais regardez. Mais en fait, mais c'est un parcours réaliste de fou. Mais attendez. Mais magnifique. Bon, après, faut prendre un peu des avions, mais tranquille. Ouais. Ouais. Magnifique. Je joue Jane avec Wiggins. Mais vous êtes fou quoi? J'ai Contador, je vais m'infliger ça. Oh, ça va pas la tête. Ça va pas la tête ou quoi? Moi j'ai envie de faire le prologue avec Andy juste pour le kiff. Ouais. On part avec ce bon vieux Fabian ou Après, est-ce qu'il y a du suspense en jouant avec Fabian? Je suis pas sûr sur ce prologue. Mais bon, on s'en bat les couilles. En vrai de vrai. On a rien à foutre. Nous, on veut juste kiffer là. On veut voir le gros cul de Fabian devant nous là. Fait longtemps. J'espère que tu vas reprendre tes bonnes vieilles habitudes, Fabian. Faut remettre le moteur là. Faut remettre les cales et les pédales. Elle Zabar. Parce que son nom à Cancellara, la mobilette. Littéralement. Ouais. Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Okay. Allez, on l'encourage. Allez, ça part. Bah non. Mais vous savez que... Bon, en vrai, sur les autres étapes hors montagne, on va pas... En vrai, on sera gros favori sur le pavé, sur la plaine, sur le ballon. Mais par contre, sur la montagne, vu les stats qu'on a mis à Contador et aux autres, les Slovènes vont être favoris par rapport à nous. Hein. Mon Fabien. Combien? 7-0-7, il demande. Oh, Bichéguer qui s'intercale entre Kittel et Bonnen. Oh, le fiat qu'il a, Fabien. Oh, c'est énorme. Magnifique. Eh voilà, ça parle mal de Kittel. Boum, top 5 du prologue. Qu'est-ce que vous dites de ça là? Magnifique. Parfait. Le virage à gauche dans Saint-Cyr. Boum, ça part. Pas content, top 5. Ok, on s'est tous enculés par Pipo. Ça c'est énorme. Magnifique. Allez mon Fabian. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouh, ça va passer, mais 2 secondes je crois seulement. Non? Yo Campez. Je crois qu'il y a que 2 secondes sur Pipo là. Seulement. Oh oui, seulement. Top 20 Kittel. Pas de clim. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Il joue. Pas de panique. Pas de panique, pas de clim. Bravo les gars. Félicitations à vous. Ouais, il était pas en bonne forme. Pardon. Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot jaune demain. Ah ouais, c'est. Ouais, on dit et pour Ito, c'est. Bah, ça reprend les bonnes vieilles habitudes, quoi. Hein? Si on me demande, les deux, ça s'est fumé par Ruben Guerreau et Hofstetter. En détente. Gana fait pas le poids. Il y a une pub. L'air un peu.
Bah oui, normal, hein. Schleck a presque une minute. Bon, de toute manière, il joue pas le général, Schleck. Bon, victoire de Fabian, 2 secondes seulement. Hein. Putain, et il était même pas en bonne forme, donc... ouais. Ganna très solide. Hein. Ouais. Ganna très 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 solide. Bon, Vingegaard a fait 12ème. Parfait, Roglic 18. Par contre, où est Poga? Qu'est-ce qu'il a foutu le collègue là? 28ème. Même temps que Contador. Parfait. Bonjour les gars. Parfait, parfait. Allez, du vent, de la caillasse, on adore ça. Vous connaissez. Et on va jouer avec Marcellus. Marcel Kittel là. Magnuti leader chez UAE. Bon non, peut-être pas non plus, mais. Peut-être pas, peut-être pas. Oh là là, mais quand. Waouh. Mais vous pensez que là, il y a. Là, il crée de l'électricité là en pédalant avec une forme pareille quand chez Lara, non? En vrai. En même temps, sur Prologue. Ah oui, il a 80 Prologue Kittel. Ceci explique cela. Ah oui, 86 pleines. Avec le plus 3. 87 chrono, 87 pavés. Mais. Ou de Van Aert. Moi, les gars, je préfère que Van Aert fasse ce qu'il a fait aujourd'hui. 11, mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape tracée autour de Saint-Cyr-l'École, les coureurs devront bouger. Genre, je préfère que. Putain, c'est quoi ce logo dégueu au milieu là? Je préfère que Van Aert fasse ce qu'il a fait aujourd'hui que d'attendre dans le peloton de l'OPR, quoi. Dans tous les cas, Van Aert l'aurait perdu. Par contre, il fait 3 mètres et il est 300 kilos, Kittel. Van Aert l'aurait perdu demain le maillot, donc. Bah, autant faire kiffer les gens, il l'a dit en interview de toute façon. Bah, il a fait kiffer le public, il a fait kiffer les gens et c'est nickel. Yo, casse-noisette. Les gars, il faudra faire attention au vent aujourd'hui. Ça marche, oui, ça marche, cette blaze. Soyez vigilants. Sprint inter. Mais ouais, mais il y a tellement peu d'étapes de plaine, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Les gars, toujours pas d'échappée ? Personne n'est intéressé par. On va faire ça comme ça. Boum. Ok. Qui fait les jambes demain ? Mais gros, demain, même en faisant kiffer, il aurait rien fait demain. Hein. Le truc, c'est que les gars, la vraie vie, c'est pas PCM. Hein. Van Aert, il va pas. Franchement, si même aujourd'hui, imaginons, il y a un monde où Van Aert allait au bout et avait. Je vais abuser, c'est impossible, mais on sait jamais. Il attaque la montagne avec 10 minutes d'avance, mais il ne fait même pas de top 10 du tour quand même, Van Aert. À l'heure actuelle. Peut-être qu'un jour. Il va s'améliorer, il va perdre du poids, il va plus s'affûter pour la montagne. Mais à l'heure actuelle, entre les efforts qu'il fait sur toutes les étapes de première semaine et la diff de level en montagne avec les Poga et compagnie, il peut même attaquer la montagne 10 minutes d'avance s'il ne fait rien sur le tour au gel. Les étapes en ligne comportent 2 sprints intermédiaires avec à chaque fois 20 possible, points en vrai. Pour celui qui passe la ligne en tête. Je suis même pas sûr, honnêtement. C'est déjà rien que dans Granon, il se prend 15 minutes, je pense. Genre vraiment, c'est. On disait ça à la fin. Non, c'est pas du tout le même profil. Non, non, non. Alors toi, peut-être que tu disais ça d'Alaf, mais pas moi et personne. Hein. Pas, en tout cas, pas grand monde. Alaf, il a déjà plus le profil grimpeur que Wout. Pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Les coureurs vont bientôt boucler le premier tour. Ils pourront apercevoir la ligne d'arrivée. Mais genre du coup, il n'y a aucun monde où Van Aert gagne le tour ou fait une perf au général au tour. Du coup, pourquoi bah, juste attendre dans le peloton et rien faire jusqu'au moment où il perd le jaune. Là, c'était départ de son pays, c'était départ de Belgique. Il est en jaune. Bah, il a voulu se faire kiffer, quoi. Et nous, ça a animé notre étape. Donc du coup, bah, trop trop bien. L'écart diminue, les gars. Peloton devrait jouer la gagne. L'échappée est en train de résister. Genre, je préfère ce qu'il a fait aujourd'hui et qu'il perde le maillot aujourd'hui plutôt que qu'il ne fasse rien, qu'il arrive dans la planche, qu'il prenne 2 minutes et boum. Aujourd'hui, non. Bon, peut-être qu'il fait un petit résultat, mais gagner, je sais pas. Non, dans tous les cas, je pense, vu comment c'était dur, Poga, il était imprenable aujourd'hui. Hein. En vrai, je vois vraiment pas dans quel monde Poga ne gagne pas aujourd'hui. Peu importe qui était dans le peloton. Ah oui, par contre, aujourd'hui, l'étape est incroyable. Dès le kilomètre zéro, c'est parti en couille. Tu verras.
Bah, je sais pas, parce qu'il est complètement fou, ce mec. Après, je pense surtout qu'au début, il y a tellement de monde qui sont sortis que ça a eu très très peur d'un coup de bordure. Parce qu'il n'y a pas que Pogba, hein. On a vu Vlasov, on a vu David prendre des groupes et des roues à un moment donné. Je pense qu'ils ont juste tous eu un peu peur des bordures et des grosses cassures qui, au final, se rebougent jamais et ça perd 2 minutes bêtement. Du coup, tout le monde a un peu... Alors, on va essayer des bordures. Normalement, vu l'équipe qu'on a, eh, on devrait être capable. Attends. Attends sur les dents. Oui, mais du coup, et toi, tu préfères quoi? Tu préfères que 6 mecs partent et kilomètre 0 et qu'après on se fasse chier pendant 220 bornes et qu'on ait juste une course de côte à la fin? Ou Van Aert, comme tu dis, qui empêche l'échappée mais qui nous offre une course de fou pendant 220 bornes où ça s'arrête jamais? Moi j'ai choisi mon camp. Hein. Salut, patate. Martinez dans une cassure. Regarde la marque, c'était Kittel. Arrêtez, laissez Marcel tranquille. Regardez, il y a le petit Schleck là devant nous, là, Andy. Là. Andy, mauvaise forme, il est pas bien. Là. On force, on force. Le vent peut faire mal, là, vent de côté en plus. Et on rappelle que les deux. Et ça chute. Ouais, Blazer, il prend 5 secondes, mais oui. On se sait rien par rapport à la chute. Hein. Faire sur le tour. Mais gros, ils sont battus hier sur les pavés. Ça peut pas être ça tous les jours, hein. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ça pète dans tous les sens, mais c'est un noix qui roule là. Non, c'est Brent Van Moor. Bonnen essaye de rouler, mais il n'y arrive pas. Ou quoi? Bah, Primoz, je peux me tromper, hein, mais j'ai pas l'impression que ça soit aussi grave que l'an dernier, hein. Il était là aujourd'hui dans le final, il est dans le groupe de 10 qui arrive dans le même temps. Hein. Ce choix, ils sont que 13 à être arrivés dans le même temps au final. Elle arrive encore à creuser l'écart. Une minute trente de retard pour le Alors. Pam pam pam. Le Blazer. Bon, c'est impossible à dire encore, il n'y a pas eu des tables de montagne. Déjà demain après la planche on verra mieux, on pourra dire qui joue quoi. Oh là là. Oh t'es mal et non. Oh. Oh là là. Oh les gars, doucement, doucement, doucement. Ouais, oh, ouais, ouais. Tonchelara, Wiggins, Evans, Contador, Schleck, Rodriguez. Tout seul. Oh non, mais je pense pas qu'il va abandonner. Oui, par contre je pense que Jumbo, j'espère qu'ils ont compris qu'il faut jouer Vingegaard maintenant. Même si on sort Roglic à 2.30, déjà que Vingegaard de base est bien plus fort que Roglic, on va pas se mentir. Bon, si là ils continuent à forcer avec Roglic, ils ont pas trop compris le principe. Yo, Mozart, tu vas bien? Salut mon Nico. Salut Deso, tu vas bien? 35e mois pour le Deso. Ouais, après, en même temps... j'ai du mal à voir Matthews gagner en 2022. Hein. J'ai traversé tout le monde. Mais bon, c'est ce qu'on aime. Non, franchement, c'est ce qu'on aime. On apprécie. On veut ça plutôt que d'être bloqué. Merci Vekoz pour le sub. Merci beaucoup. De rôle. Mais il y aura d'autres équipes, hein. Il y aura pas que Jumbo, hein. Genre, il n'y a pas besoin, justement, avoir Roglic en équipier, c'est une arme intéressante pour battre Pogacar. En tout cas, pour essayer de le battre. C'est toi avec Extra. Je ne te rends pas compte d'avoir un Roglic en équipier, mais c'est... Tout le monde le veut dans le peloton, même Pogacar, il va avoir un Roglic en équipier. Quoi, moi? Bon non, fut une époque, Matthews c'est quelqu'un, mais bon, c'est vrai que maintenant, Matthews... ça, j'ai vu des mecs dire, oh là là, Pogacar, t'as plus Matthews au sprint. Oui, bon, Matthews, il a le niveau d'un chips depuis 2 ans. On va pas se mentir. Yo Paradise. Genre, Matthews est à deux doigts de se faire taper par David, Quintana et toute la clique, quoi, aussi. Il est en train de se faire décramponner. Mais non. Bonne nouvelle pour le... Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est pas le leader. Changement de leader en tête. Ouais, c'est vrai. Attends, parce que là, Kittel, il est dans une sauce exceptionnelle, là. Non?
Bah venez, on joue avec Angelara. Oh, vous allez me détester, on a mis Kittel pour ça. Non, il y a encore une étape, c'est faux. On l'a mis pour l'étape de Cahors, Marcel. Kittel, vous êtes dérageux, il a fait top 10 du chrono. Oh là là. Tu viens de personne. Bah, je trouve que c'est un manque de... Si jamais il n'arrive pas à se mettre en équipier de Vingegaard. Alors que Vingegaard n'a jamais hésité dans sa carrière à se mettre équipier de Roglic. Sachant que niveau mérite, en vrai, Vingegaard mériterait d'être leader. Bah, Roglic, ça serait pas très intelligent de sa part, je vais pas te mentir. Par contre, c'est parti à 3 en détente, là. Moi, j'ai envie de partir avec Surf. En vrai. Petite attaque de Wiggins, là, non? Attends, c'est pour Ito qui fait une bordure, là? On est dans quel monde, là? On reste dans les roues à tout coup. Bien reçu. Je reste dans les roues tout coup. Ah, tu sais quoi, on va jouer avec Fabien. Surprise. Bon, non, il a fait deuxième. Non, quatrième du ronde. Hein. 30 secondes sur le peloton. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Allez, hop. Bien reçu. Ah putain, Bebou Kittel, il me fait de l'œil. Ça tient ou pas? Il remonte, ça tient? Encore 5 km. Je suis pas sûr, hein? Pas sûr du tout, même. Merci beaucoup, Deso, pour le gift. Merci, mec. Ça fait plaisir. Mais non, la chute! C'est tombé dans le virage! Aïe, 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 aïe. Je sais pas, y'a qui au sol? Ok, non. Bah écoutez, on les aura tous fait, mais on va jouer avec Bonnen. De toute façon, on le savait dès le début que c'était Bonnen notre leader. Kittel au sol, arrêtez. Non, je sais pas, y'a qui. Oh, y'a Poga! Aïe, 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 aïe. On va totalement faire un truc, c'est ça. Hein. Tiens, Kittel équipier, VDP. J'ai pas vu, y'a Poga distancé. Kittel est mort, Kittel va se faire lâcher. Terrible. Poga essaye de faire le jump. S'il arrive à faire le jump, je suis triste. Hein. Très triste même. Allez mon Tom. Servir à quoi? Mais c'est pas fini. Oh là là. Ouah, il est bien sorti Jakobsen. Est-ce qu'il va tenir? C'est pas sûr. Ah, il va pas tenir. Non, non, non. Monsieur Tom Bonnen est le roi de ce monde. Et il s'impose devant Wood Van Aert et devant Caleb Ewan. Non, devant Fabian, mais non, ta gueule. Ok, je crois que Fabian vient de taper la troisième place en détente au sprint. Ouais. Je crois que Fabian a totalement tapé Ewan au sprint. Je sais pas, il a combien en sprint, Fabian, mais... Totalement... Ici. Parce que ce sont des incultes. Bah non, c'est scandaleux. 82 sprint, Bonnen. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Il joue. Il est... Remake de Zélande. Ça s'était passé comme ça, les Zélandes. Il avait fait 3, Fabian. Ah oui, on passe en le cave, non? Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Il est rentré, le petit con là. Je crois qu'il est rentré. Van Barle qui est tombé. CJV. Oui, mais bon, ça c'est. Bah, s'il n'arrive pas à comprendre ça, je pense que c'est mentalité de merde et je serais un peu déçu de lui. Je vais pas te mentir. Hein. T'as un coup de main? Non. Mais les gars, vous avez pas vu ce qu'il a dit, Maggio? Moi, c'est pour ça, depuis le début du tour, je vous le dis, arrêtez de vous faire des espoirs pour rien sur Pinot. Hein. Mais genre, c'est vraiment premier degré que je le dis. Et Maggio ne fait pas du bluff en disant que Pinot ne fera rien. Maggio, tous les jours, depuis le début du tour, il le répète. On l'a vu, Kung, il a rien fait sur le pavé alors qu'il était giga fort, il aurait pu aller avec les mecs devant. Genre, Maggio, tout à l'heure, il a dit, il a répondu à un mec de France 2 qui lui demande « Est-ce que Pinot, demain, à domicile, il pourra prendre l'échappée ou tenter un truc ?» Il a fait « Non, le collectif avant tout. » Peut-être l'intox, mais arrêtez, mais...
Je vous jure, vous faites du mal pour rien. Comment ça, de l'intox? Depuis le début du tour, c'est comme ça? Bien sûr que non, c'est pas de l'intox. Bonjour les gars. Il a dit que tant que la course sera ouverte et que on est dans la course, ça sera tout pour David. On est sur ce tour, bah pour être équipier. Mais Pino c'est pareil les gars, c'est Pino, il a dit que pauvre Thibaut, bah non, mais Thibaut ça lui dérange pas. Thibaut il l'a dit hein, que être équipier et si David fait podium à la fin du tour, mais que lui fait rien, mais juste il l'aide, ça lui va. Bardet bluff. Bon, Bardet c'est autre chose, mais Bardet je pense qu'il bluffe, oui. Merci Nat pour le sub. 2019. Bah oui. Échappé. Décanté. Bah non. Non. Non, non, mais même tout à l'heure, il l'a dit, hein, les journalistes lui ont demandé est-ce que demain Pino pourra jouer sa carte à domicile? Est-ce qu'il pourra prendre l'échappée ou quelque chose ou tenter un truc? Il a dit non. Tout pour David. Thibaut sera équipier. Après, genre, c'est pas à nous de commencer à faire des suppositions sur ce qui va se passer, machin. C'est le mec, c'est le patron de l'équipe qui le dit, quoi. Et il le dit depuis 2 semaines, mais tout le monde le croit pas. Mais au bout d'un moment, va falloir commencer à le croire, quoi. Parce que je vous jure, vous faites du mal pour rien, hein, les pro Thibaut. Alors, on va se la jouer avec Conta. Oh, ça va pas la tête. Putain, on a mis Rodriguez. C'est vrai que vu qu'il n'y a pas de champion d'Espagne chrono, on a mis Rodriguez, merde. Bon, c'est pas grave, on jouera pas avec Rodriguez sur les chronos de toute façon. Yo, Straglo. Je vous gêne. Je sais pas, c'est un peu bizarre, Bardet. Hein. Bardet, il a dit qu'il jouait pas le gêne à la base, mais bon, il s'accroche et il parle comme s'il jouait le gêne. Donc. Au programme du jour, courte mais pas sans difficulté. Les ascensions vont se succéder et les occasions pour passer à l'attaque seront nombreuses. Génial, bah oui. Oh non. Après, on verra quand on va arriver dans Granon Alpe d'Huez. Sûrement que Thibaut pourra prendre l'échappée par exemple. Mais sur une étape comme demain, c'est la planche. Il est trop important, Thibaut, d'être à côté de David. C'est trop important demain. Et de toute façon, l'échappée a très peu de chances d'aller au bout. C'est tout plat. Genre, ce serait vraiment faire l'échappée pour rien quoi. Le col de Châtillon sur Plume. On demandait à Andy. Non, allez, Wiggins, viens. Andy, ça sera plus tard. Dans 2 km pour l'échapper. Nouvelle difficulté en vue. La côte de montagne. Près de 5 km de montée. Non, non. 80, Contador. On l'a baissé, il était à 83 parce que sinon, l'enfer. Comme ça, là, on va pouvoir se taper avec les Slovènes un peu. Déjà délâché en fin de peloton. Ça va pas être une bonne journée pour eux. Non, maillot à poids, le problème du maillot à poids c'est que tu joues à fond pas là. Vu qu'il part dans la petite d'équipier et tant que David sera là, il sera équipier. Il aura trop de retard sur certains mecs qui prendront pas mal d'échappées. Voilà, roule. Ah bah oui, mais ça c'est possible ça. Mais ça, ça va clairement se passer hein. Si David est très bien. Ça va totalement être l'inverse de 2019. Hein. On va voir Pino emmener David. Mais pour une montée comme la planche, Thibaut est trop important pour David. C'est trop important pour David d'avoir Thibaut devant lui à la planche. Déjà il connaît la montée par cœur, il est chez lui. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Ah, la différence n'est toujours pas faite. C'est vraiment difficile de sortir aujourd'hui. Bon, au train. Les coureurs entrent maintenant dans la zone de ravitaillement. Moi ce qui me fait rire c'est tout. Il y en a plein sur Twitter, un peu partout sur les réseaux. Ils sont, depuis 2 semaines ils sont en mode c'est de l'intox, Thibaut il va jouer de gêne, allez mon Thibaut, fais quelque chose. Hier, je sais pas si vous avez vu, parce que Thibaut est passé dans le bon groupe des pavés. Il y a tout le monde qui a commencé à dire ah mais c'est pas normal, regardez les gars, s'il joue pas le général, pourquoi il s'accrocherait sur l'étape des pavés? Ah là ils viennent de prendre une petite clim quand même. Mais ça me fume quand même que certains arrivaient à contredire quand même le boss de l'équipe et tout ce, et la stratégie qu'il met en place quoi. C'est-à-dire qu'il a aucun intérêt à mentir, hein, c'est... Genre, pourquoi Majo mentirait? Yo, The Big Bambi. Genre, si Majo a dit que Pino sera équipier, bah, c'est pas pour faire un intox et machin, c'est genre, c'est... Eh oui, et même s'il avait menti, ça serait vu dès la deuxième étape.
Il aurait été protégé, machin. Et voici la côte des rives. Le Poga. Ouais, bon, ça c'est Twitter, tu sais. Et 7,3% sur Twitter, c'est probablement la t'écoutes Twitter, c'est un scandale que Poga ait battu Matthews, le sprinter, quoi. Sur un sprint. Et je l'ai vu premier degré. Hein. Genre pour les gens, aujourd'hui, c'était un sprint. Poga a gagné un sprint. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y en a plein qui l'ont dit. C'est... Ces gens-là sont des cracks internationaux. C'est pas possible autrement. Genre, ils ont dit Poga a gagné un sprint contre Matthews, qui est un sprinter. Matthews, il a plus rien, il a 58 ans, il a plus rien fait depuis 3 ans. Et bon, le sprint dans des côtes à 10%, bon, bizarre le sprint quand même. Yo, Alzo. Mais bon. Bon, ça, c'est internet, hein, ça, c'est... Ah ouais, Quintana, 45 kilos, il finit top 5, mais sprint, hein, gros sprint. Hein. C'est second degré, non. Ah non. Ah non, tu vas sur Twitter. Ah, de toute façon, Twitter, il y a très très peu de second degré... Dès que ça touche à Pogacar ou le vélo. On a très très peu. Hein. Pour le classement de la montagne. En vrai. Est-ce qu'on mettrait pas Evans, Wiggins, Schleck, Purito à rouler là? Boum. En détente. Quelque chose aussi. Ah oui, non, c'est. Ah, généralement sur Pogacar, il y a très très peu de second degré. Hein. C'est comme tous ceux qui disent. Il y en a plein qui ont dit allez hop, tour terminé. Il a 28 secondes d'avance. Littéralement. C'est... Le dixième est à 1 minute. Bon, je peux comprendre ceux qui disaient ça l'an dernier quand il a mis 5 minutes au deuxième, tu vois. Mais bon, si un grand tour est terminé quand il y a 30 secondes d'avance, bon. Bon, chiant, quoi. En vrai, ah oui, mais faut le prendre à la rigolade. Hein. Si tu le prends au sérieux, tu t'en sors pas. Hein. C'est des phénomènes. Hein. Et ce premier degré. Ah, je peux vous assurer qu'il y en a très très peu qui sont second degré sur Poga et sur tout ça. Hein. C'est bien sûr qu'il y en a, c'est du second degré, ils blaguent, mais ouais, c'est une très petite minorité. Hein. Ah non, c'est tout ce qui touche à Poga, c'est très rare le second degré quand même. Genre Poga, tu vas sur Twitter, c'est une créature créée par Armstrong, quoi. C'est bon, c'était que Twitter, bon, bizarre. Quoi. Notre leader lâche prise, c'est pas le moment. Un podium demain. Bah, en vrai, la planche, c'est une montée qui peut lui convenir. Hein. Oh là là, Andy Schleck qui roule pour Contador. Oh, c'est les émotions. Mais moi je le dis, les mecs qui disent le tour est terminé, ça sert plus à rien de regarder. Mais ils ne regardent plus. Et nous, ça nous va. Franchement, hey. Ces gens-là qui ne regardent plus et qui du coup ne le commandent plus le tour parce que justement on demande que ça. Putain, mais qu'est-ce qu'on serait heureux! Yo, French. Bardet, demain j'y pense fort. Ah, Bardet, ça peut lui convenir aussi, ouais. En vrai, demain, la planche, c'est giga ouvert quand même, hein, comme col. Parce que c'est pas un giga col des Alpes ou des Pyrénées où tu vas avoir des dégâts de fou. Le maillot à poids suffisamment c'est spécial. C'est bien pour introduire un tour, je trouve, la planche, en vrai. Merci, Eurotech, pour le Prime. Merci beaucoup. Quel podjob. Oui, ça, par contre, ça, oui, on peut le dire. Oui. Oh, merde. Un peu moins. Vu comme ça. Merci 17 snooze pour le prime. Merci beaucoup pour les primes, les subs et compagnie. Planche par contre. Oui non, je suis d'accord. C'est pas. Je trouve pas que c'est une bonne chose d'enchaîner les bonnes choses. Pas très français, mais genre ce qui fait aussi que des étapes et des cols sont bien, c'est qu'ils sont rares quoi. Enfin pas rares, mais au minimum tous les 3 ans quoi. Genre la planche et le Ventoux, c'est des montées mythiques et ça restera jamais des montées mythiques parce qu'aussi on les enchaîne pas. S'il y avait un Ventoux et une Alpe par an, bon. Chiant quoi. Oh oui, non, la planche, il y en a beaucoup, hein. Faudrait faire le compte, mais déjà depuis 2019, donc en 4 ans, en 3 ans, on l'a eu 4 fois, je crois. En 4 ans, oui, en 4. En 3. Il y a que l'an dernier, on l'a pas eu. Hein. 2019, 2020 en chrono, 2022.
Il y a que 2021, c'est où on l'a pas eu. Hein. Ouais, c'est un cinquième en 10 ans. Mais même sur les 4 dernières années, genre, c'est la troisième. Ouais, Théma, 17, 19, 20, 22, ça fait beaucoup quand même. Madoua se la donne bien. Kitana. Ah, moi je dis rien, les gars, sur Nero. Ça sert à rien. Nero, c'est comme d'hab, c'est. Après, là, j'avoue qu'il a très bien passé la première semaine. Hein. Mais bon. Justement, qu'on parle pas de Nero, comme ça on pourra être que surpris. Parce que si on commence à parler de lui et qu'on va être déçu comme d'hab. Y'a rien d'autre. Oui, mais bon, il y a d'autres régions de France qui où ça passe jamais. On n'est pas obligé. Alors, vous, ça vous fait kiffer, mais on n'est pas obligé d'aller dans cette région du côté de la planche tous les ans, quoi. Genre, à l'ouest, on n'y va jamais, hein. Pourtant, il y a des petites étapes sympas à faire aussi. Genre, je dis pas qu'il faut voir la planche une fois tous les 6 ans, mais je trouve que sur le tour et sur un grand tour, tous les 3 ans, c'est bien comme, comme intervalle pour l'école. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. Bon, mais il y a un nombre de régions incalculables où il y a tellement de choses à aller voir et que le tour fait pas. Par contre, à la planche, on y va tous les ans, quoi. Bon. Est-ce que c'est Guigui qui a pédé ? On est pas mal, on est pas mal. 1,7 km. Un équipier vient de se faire lâcher. Finito pour Ito. Enric Mas qui pète, Roglic. Les hommes de tête passent maintenant sous la flamme rouge. Ils vont donc devoir se départager au sprint. On n'est pas des mieux placés, mais ça devrait le faire. On pourrait remonter là sur la droite. Après, on n'a pas tant de rouge que ça. Totalement fait bloquer là. Ok, catastrophique. Let's go, 5ème. Pogacar dans Vingegaard. Let's go. Merde. Tous les 3-4 ans. Bah oui, mais c'est aussi ce qui fait qu'un col soit mythique ou qu'on aime bien quoi. En vrai. On fait un my tour avec les légendes, les gars. Pimpon. Putain, quel enfer. Mip mip. Je sais pas s'il y a dehors, mais il se régale. Hein. Il a passé la ligne d'arrivée. Il va. Un gène. On a modifié les notes pour pas que ce soit trop facile. C'est bien, les gars. On est à notre place. On visait le top 5. Vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. Non, non, non. Bon, on est 4ème à 11 secondes de Jonas. Jonas, maillot jaune. Devant Tadej et devant Roglic. Si ça, c'est pas magnifique. On a Evans dans le coup aussi. Bah non, t'as pris le vert aussi. Ok. Bonjour les gars. Comment? Donne deux fois Alberto. Bah non, il est dans les notes des autres grimpeurs du jeu. Il a 80 montagnes, un physique équivalent aux autres. Bon, peloton demain. Il fait de la pétrole et voitures. Léger. Putain, c'est vrai que. Attends, mais on l'a jamais faite cette étape? Yosen Goat, tu vas bien? C'est vrai qu'elle me dit rien. C'est LM place de jeu depuis demain 2024. Le jour où il y a un chrono comme ça sur le tour. Sur le plus de deux, je pense, c'est encore plus dur que la planche. Hein. En vrai. Merci Rosby Driving Fast pour le sub. Wiggins pique de forme. Il a combien, Wigo? Ah, il est trop proche, hein. Je l'aurais bien mis dans l'échappée, mais... Ah, ils sont trop proches encore. Quoique, on peut essayer, hein, mais... Ah, tu vas me dire, attends, on va essayer. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette étape savoyarde qui s'annonce très exigeante. Je sais pas, je l'ai fait une fois à pied quand je suis arrivé à Clermont, mais c'est dur de se réaliser à pied. Mais déjà, attends, ils comptent passer par où? Il y a une route? Je savais même pas qu'il y avait une route pour monter là-haut. Moi, je croyais que c'était soit à pied ou avec le télésiège là. Enfin, le petit train là qui monte.
peloton est à 2 km du sommet. Je savais même pas qu'il y avait une potentielle route pour y aller. Attention, première attaque. Va falloir faire le maximum pour marquer des points. Le téléphérique, il y a une route. Ah ouais. La montagne ne lui fait pas peur. D'ailleurs, il tente déjà. Je sais, ça laisse Hugo tranquille. Une route, ok. Ça s'arrache pour les points. Une Simons. Non, collabore. Hein. On va voir. Est-ce que le peloton va nous laisser? Parce que là, il y a une belle échappée qui semble déjà. Là où il y a eu un cutting pour leader. Je vous avoue, j'ai juste vu que l'info, c'était, ça faisait 60 ans, je crois, qu'il y avait plus. Ok, ça a laissé sortir. Il y a Sir Wigo à l'avant. L'enchaînement des difficultés débute vélo. Avec un vélo généré par le jeu, je crois. 11 km de montée. Le coureur qui franchira en tête le sommet de cette côte empochera. Ah bah c'est très lourd le nord. Après tu sais, je connais le nord, enfin, je suis de Belgique de base donc Ah oui non, c'était très cool. Ouais, c'est des, alors c'est pas des Sierra Road comme les autres, c'est des safe frame. Mais c'est le même, c'est un vélo générique, hein. Ouais. Mais non, c'est vélo générique. Après le sommet, les coureurs. C'est un EHPAD. Ah mais Israël, leur tour, c'est déjà un miracle qui gagne. Hein. C'est une dinguerie, hein, parce que avec leur équipe de 36 ans d'âge moyen là, qu'ils aillent en choper une. En plus, l'étape des pavés. Exceptionnel. Leur tour est réussi, hein, quoi qu'il se passe dans les prochains jours. C'est énorme, on se fait éclater par Julien. On passe le 4. Aïe. Mal à mon ego. Ouais, ouais. Dur. Rebecca. Oui, en plus, clair qu'il avait pas de contrat début de l'année, ouais, quand Rebecca s'est arrêté. Une nouvelle ascension. Le col des Arabes. D'avant. 7 km. Non, mais le but là, c'était de prendre des coureurs de 2010 qu'on connaissait. Qui sont légendes, mais qui sont pas hyper vieux non plus, quoi. Oula, le rototo. Salut, Matt. Col des Arabes. Je crois que je vais devoir prendre un peu de gel. Hein. Très fort. Ah, bah, David, on va voir. Hein. On va être à fond derrière lui. Mais oui, il a l'air chaud là. Après, faut pas s'enflammer non plus dans le sens où il y a la montagne qui arrive, mais. Faire un truc. Ouais. Je crois 0 en Fugel. Fugel, même à son prime, il a jamais fait une seule perf sur un grand tour sur 3 semaines, donc. Putain, c'est dur quand même, hein. Je sais pas pourquoi on galère autant là, mais. Au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général. On va pouvoir les remonter la plupart là. On va passer 3. Donc Pino et Bonamour. C'est un Bonamour qui met piqué à Pino, ça me fait mal au cœur. Oh, God Fugel. Mais je vois pas en quoi c'est pas respecté, hein. Fugel n'a jamais été un coureur de grand tour, hein. Genre, je vous laisse me citer une seule perf au général sur un grand tour de Fuglsang. Vous avez 6 heures, et dans 6 heures, vous chercherez encore. Parce que Fugel, ça a toujours été la même blague. Il gagnait le Dauphiné ou il gagnait une course d'une semaine. Ça le mettait gros favori pour le tour. Et il faisait rien, il faisait 28ème ou il faisait de la merde. Je crois qu'il a peut-être un fond de top 10 de temps en temps, mais sans plus, quoi. Ouais, il a fait un seul top 10, quoi. Ou peut-être deux, mais bon... Genre Fugel, c'est le coureur parfait pour les courses d'une semaine, mais pour les grands tours, il a toujours été nul. On prend les commandes du général, c'est bien, continuez comme ça. En vrai. Genre c'est un coureur incroyable Fugel, hein, sur une semaine. Mais sur une semaine. Pas plus. Ça risque de provoquer des cassures. Oh non, Marcel. Ah putain. Ah ouais, mais Marcel, les gens ils t'aiment déjà pas trop, donc là tu fais pas d'effort pour te faire aimer là. C'est toi le plus dangereux pour le maillot jaune à l'avant de la course. Le col est classé en première catégorie. Il y aura 10 points supplémentaires à en. Essaye de faire mal là. Tour de Suisse.
Oui, après le Tour de Suisse, faut faire gaffe quand même que le Tour de Suisse était pas de land. Hein. Le Tour de Suisse. Bon, avec tous les cas de Covid qui se sont barrés, il y avait personne. Mais en Suisse. Ouais, mais ça, il y a toujours eu quand un mec gagne en Suisse ou en Dauphiné. T'as tout le monde qui les met favoris du tour, mais ils ont toujours pas compris, les gens, que gérer une course d'une semaine et être fort sur des courses d'une semaine, même s'il y a de la montagne sur les courses d'une semaine, c'est tout l'opposé d'un grand tour. Et ça veut pas dire que c'est pas parce que tu gagnes un Dauphiné ou un Tour de Suisse que t'es un coureur de grand tour et que tu vas faire des perfs en grand tour. Hein. De Châtel. En 2020, j'avais pas fait d'étape. Ça fait 4 ans qu'Itel. 2018, putain, je voyais ça plus vieux, moi. Je voyais 2017, après son tour où il gagne 5 étapes. Allez, Bradley. Allez, Bradley. Oh, vous, Bradley. Ok, c'est bon, on va passer en tête. C'est bon pour le moral, le plus important, en plus, il y a 10 points. Magnifique. Derrière, ça va. On va leur donner le gel. Ils sont plus que 4. Oh, le quatuor de l'enfer. Ah, ça, c'est ça, ça pue. Ça pue 2010-2011. Ça, hop là. Ah non, c'est bah, quoi. On va passer sur Quentin. Hein. Salut, Léo. En Lyon. Mais je suis sur Clermont depuis 2 mois, mec. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Après, tu sais que c'est pas parce que t'habites à côté d'une course genre, en habitant en Belgique, techniquement, je suis à côté du Tour des Flandres, je suis à côté de Liège, je suis à côté de la Flèche Wallonne. J'ai jamais vu Liège, j'ai jamais vu de course pavée, j'ai vu une seule fois une flèche, un départ. Genre tous les ans, il y a bien chez mes bains, j'ai été à voir que 2 fois dans ma vie. Genre. Juste flemme, quoi, aussi, des fois. J'avoue que. Ça va quoi, Pedro? Ça fait mal quand même, là, le tempo UAE, là. C'est quoi, c'est Bora aussi? Oh, c'est une dinguerie, hein. Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Ah, ouh. Mais cette année, on est d'accord, ils ont pas rajouté de légende, si. Ou alors, je suis complètement fou. 2 minutes. Est-ce que Sir Wigo va au bout? T'es de chez moi. Bah, tu vois, ça, par exemple, je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai la flemme, quoi. Bon, c'est toujours sympa, mais... Genre, concrètement, l'année dernière, bah, chez mes bains, j'y suis allé juste parce que Pascal m'a envoyé un message et m'a dit, viens en plus, quoi. Sinon, c'est tout, hein. Sinon, j'y allais pas, hein. C'est vraiment flemme énorme. Bon, après, différence entre chez mes bains et Paris-Nice, tu vas me dire, mais... Genre juste si Pascal me disait pas viens au bus, j'aurais pas du tout été voir. Denis Martin. Mais c'était pas, c'est pas de cette année, si, ils y étaient l'an dernier. J'en suis persuadé que l'an dernier ils y étaient déjà. Non. Je sais plus, vous avez peut-être raison. Je sais pas pourquoi j'ai dans ma tête je les ai depuis l'an dernier les deux. Ouais, ça doit être vrai, ouais. Alors. Clairement. Bon, oui, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. En vrai, hey, 2 minutes. Est-ce qu'il y a un monde où. Je regarde. Oui, mais il y a une différence entre Roubaix et. Tu vois. Genre, si tous les ans il y avait un départ du tour dans ma ville, bien sûr, j'irais tous les ans, mais. Genre le Dauphiné cette année il est passé à côté de Clermont, j'y suis pas allé, hein, flemme totale, hein, je vais pas te mentir. Bah il est peut-être. Ah bah l'année pro il y a de quoi mettre, hein, en légende. Hein. Techniquement il y a Gilbert, il y a Valverde, il y a Nibali, il y a Froome. Peut-être pas Froome, on sait pas encore Froome. Mais il y a beaucoup de monde l'an prochain, ouais.
On signale 1 minute 30. Ils y arrivent. Bah, en vrai, avec une 30 d'avance, peut-être même un peu accéléré. Hein. On joue pas dans 6 6. C'est déjà bien monté dans le peloton. Porte aussi, ouais. Ouais, il y a du moulin. Bon, ça. Bah, juste, on sait pas quoi. On sait pas encore, mais Froome. Je sais pas si c'est cette année sa fin de contrat ou l'an prochain. Non, je crois que ouais, c'est l'an prochain, mais à un moment donné, je crois que ça parlait de quand même arrêter, non? Mais bon, c'est vrai que vu que son contrat, il a pas intérêt à arrêter, hein. Lui, il a tout intérêt à continuer. Hein. Il a pas le rompre le contrat. Hein. Enfin, avec du moulin, s'il y a Essiodal, bon après, s'il y a Essiodal, tu mets tout le monde hein, dans les champs en soi. Hein. Oh, attaque de Godu déjà, suivi par Pino. Mais quoi? Mais attends, ils nous font quoi les deux là? Non, Pino s'arrête. On va prendre le gel. Il s'est monté à une vitesse, mais what the fuck? PSM. Oh oui, mais PSM, c'est pas les fins de contrat IRL, la gaz. Quoi, Froome? Bah, Froome 100%, c'est un truc dans son contrat. Hein. 100%, j'en suis sûr. Bon, on n'a pas les infos du contrat, mais je suis sûr. Parce qu'il y a des clauses comme ça dans les contrats. Hein. Froome, il a dû mettre dans son contrat faire le tour tous les ans. Ou... Et puis, j'avoue que pour le sponsor, avoir Froome, même s'il fait 128ème, ça reste Froome, quoi. Roglic lâché. Bon, c'est vrai qu'il fait l'équipier, mais quand même, là, c'est un peu tôt. Vingegaard déjà solo. Enfin, il a encore des équipiers, mais pas Roglic. Bon, Wiggins a lâché. Wawa. Et Julien. Est-ce que ça tient? 1 minute 1. Ça va être compliqué. Mais même là, mais attends, mais. Même avec Contador, on n'est pas sur la forme de. Si, je sais pas, je me rends pas compte. Et en tout cas, oui, mais bon, ça reste. Quand tu penses à Froome, t'as pas envie de le voir 128ème, quoi. En vrai. Des points pour les 8 premiers au sommet du col. Le premier marquera 20 points alors que le 8ème ne marquera que 2 points. Que nous deux fois par an cyclistes déjà. Un équipier vient de se faire lâcher. Oh, plus d'hommes, comme à l'époque. Ça a été validé. On verra, mais ça je crois c'est pour 2024 non que ça en parlait. Bon, en vrai ça peut être cool hein. Moi j'espère hein. Après je sais pas si en 2024 je serai encore ici mais. On est 4ème du gène, les gars, ou 5ème, je sais plus. C'est Jonas Vingegaard, maillot jaune. Wiggins, toujours devant. Hein. Il va nous servir de relais à cette allure-là. En vrai. Okay, viens te protéger. Ah, bordel, ça vaut quoi, Hugo? Attaque. Bah, tu vois, quand on parlait d'écran fermé, je pense que toi t'as l'écran fermé quoi. Parce que bon, là je sais pas où tu vois que je peux attaquer vu le tempo Ineos, c'est ma barre. Hein. Ça arrive. L'année prochaine, moi j'avais vu 2024. Parce qu'en soi, le parcours de l'an prochain il est déjà booké quasiment. Genre généralement, les parcours ils sont bookés un an à l'avance. Hein. C'est juste qu'ils sont annoncés plus tard, mais. Petite mine avec El Pistolero. Putain, mais j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure là. Un moucheron dégueu. Petite mine là, ça se regarde. C'est peut-être le bon moment là. Allez! Oh, l'attaque d'Alberto Contador sur le côté droit de la route! Ça me suit pas? Bah, les gars. Je suis Contador quoi. Il roule sur toi. Et là. La strat. Salut toi, Ivan. Bon, on verra bien. Hein. Il y aurait le panache vélo. Ça n'a pas réagi, sans battre les couilles. Ils en ont rien à foutre. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Mais pourquoi ils en ont rien à foutre? On fait un my tour avec les légendes là. On a fait une équipe de légendes des années 2010 un peu. Les favoris ont une minute de retard sur ton groupe. Mais attends, mais il n'y en a aucun qui s'y font là. Tant mieux, hein, mais. Allez, 2 km. Bon, après, à un moment donné, ça va attaquer. Je vais fermer ma gueule.
Le Cubium. Allez, allez. Allez-moi, Alberto. Ah, oh, ça va être fini, Wiggins, déjà. Oh non. Barguil, il suce la roue. Hein. Il suce le boyau bien comme il faut. Hein. Carapace dans le groupe. Il y a qui? Il y a Blazov, Ingegor, Poga, Godu, Guigui, Quintana, Landa. C'est fini pour Bardet. C'était comment? C'était incroyable les pavés, les gars. Énorme. Trop trop bien. Mais non, mais attendez, ce que j'ai vu aussi, c'est... Attendez, mais c'est l'énorme fake de Philipsen. J'avoue que l'avoir vu en vrai, ça c'est exceptionnel. Hein. Sérieux, putain, qu'est-ce qu'il a fait ce con? Bon, Warren m'attaque pour les points. Le truc, c'est que j'ai pas forcément l'énergie pour le suivre. Ah. Désolé, ouais. Excuse-moi. Tourbeos. Bah, c'était mon secteur, mais c'était 200 mètres, 300 mètres avant. Il sera le nouveau maillot à poids. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Le chien. Ah, les gars, attendez, on gratte des petites primes. Contador, il a besoin de thunes, hein. Oh. Ça se paye pas pour rien, une retraite, hein. Pas forcé, hein. Même si ça remonte tout à l'heure, hein, mais je pense qu'on peut assez récup. Ça monte fort, là? Ah oui, ça monte au sprint. Effectivement. Carapaz, il en a rien à foutre. Les hommes de tête basculent vers l'arrivée. Ils vont sûrement devoir 1h20, les 34 bornes. Vous avez 30 secondes d'avance sur le maillot jaune. Là, faut qu'on récupère un max, hein, parce que si on fait l'erreur de pas récup... Putain, mais c'est quoi ces gants? On dirait que j'appartiens à... À maison pout de souffle, là. C'est quoi ce bordel? Va falloir lui résister. Allez, allez. Oula. Ça racle un peu. Tu m'aides, de Wawa? Putain, mais Wawa, la victoire d'étape, Wawa, aide-moi! Je te laisse gagner, Wawa. Promis juré. 10 km encore pour le groupe de tête. Avec ou sans regroupement, on n'échappera pas à une explication finale au sprint. Oh, le mytho. Mais pourquoi vous ne me croyez pas, wesh? C'est complètement fou. T'as menti. Mais vous savez pas, on n'est pas encore arrivé. Après, il roule pas, donc techniquement, mon marché marche pas. Hein. Les points. Il fait une descente, le salaud. Il y a 6 km. Attends, quoi? Alors, mais attends, mais je croyais que c'était beaucoup trop plus court. Yoazer TJ chez... Ah ouais, il y a... ça sprinte pas, je pense qu'ils sont au courant aussi que c'est long. On va continuer, hein, mais Wawa va pas me prendre de relais, hein, fort logiquement. À un moment donné, ils vont attaquer derrière. Ah, je pensais pas que c'était si long. Mais attends, elle fait combien l'étape? Elle fait que 145. Non, j'ai pas fait de la course du monde, les gars. Yo, Romero. De toute façon, je vais pas vous mytho que le truc des cheaters là en course du monde, ça m'a un peu saoulé. Donc, au final, bah les gars. Non, par contre, en vrai, ils m'ont envoyé un message tout à l'heure, Cyanide. Normalement, ils ont enlevé les cheaters en course du monde. Normalement, ils les ont bannis. Les mecs qui avaient craqué le jeu et qui, du coup, cheataient sur la course du monde. Salut, Aklan. Alors, je sais pas, ils ont fait quoi comme système, s'ils peuvent le faire, mais qu'ils perdent, mais que ça compte pas, ou j'ai pas été check. Oh là, va juste y avoir un sprint à 11 là. Ah ouais, mais en même temps, Wawa ils mettent pas. Pause du moment. Le maillot jaune passe à l'offensive derrière. Celle-ci, j'y crois zéro. Salut les mecs. Allez, bien, on s'en prend pour le sprint. C'est toi qui va gagner.
avec Eolo. Mais je l'ai pas fait de moi avec Eolo. Il y a des chairs. Oh, team. Bah, juste, je suis en train de la remonter, quoi. Mais il faut le temps que ça remonte. Merci, Quentin, pour le sub. Merci beaucoup. On va voir un sprint à 11. Non mais là... BZH, BZH. BZH, BZH, BZH. 6 mois c'était un scandale quand je lui ai volé les points. Bon là je sais pas ce que c'est. Hein. On va pas se mentir. Vive la braise. Irel. Moi, c'est l'un de mes coureurs préférés qu'on t'adore, moi. Après, ouais, je lui ai laissé l'étape comme promis. C'est vrai, vous avez raison, ouais. On passe 5. Oh, le jeté de vélo est catastrophique, on dirait taco. Trop down. Mais. Il a passé la ligne, il joue. On peut. Bon, je vais rien dire, hein, mais. C'est bien, les gars. On est à notre place. On visait le top 5 et vous avez fait genre le tour. Genre du coup, si j'avais gagné, t'aurais râlé parce que c'est trop facile et que j'avais pas assez down. Et là, du coup, je fais 5 et du coup, tu dis je l'ai trop down. Genre du coup, faut tranquille quoi. Chavenel est trop sympa, Sylvain. Trop bien. C'est trop cool. Il y a un petit groupe de 4 secondes quand même. Nero Quintana, c'est ce qui va commencer à se passer à partir de demain, les gars. C'est pour ça qu'il faut pas se hype hein, pour Nero. Hein. Nero, ça. Ouais, là je vous le dis, hein, mais. Bon, Poga prend le maillot à Vingue. Mais ça reste serré, il n'y a pas encore trop d'écart en vrai. En vrai de vrai, il n'y a pas trop d'écart, ça passe. Bonjour les gars. Ah! Ok, oh là là, on va se régaler. Alors je vous explique. Là, Conta, c'est pas notre problème. Conta, il va se gérer. Conta, s'il perd 2 minutes, il perdra 2 minutes, on s'en bat les steaks. Mais là, non, on a Cancellara 84, Bonon 85. Écoutez-moi bien, on va foutre un carnage, quoi. Hein? Oh, si là on joue pas avec eux, là on est un peu con. Hein. Période, non. Oh oui, mais y'a pas que, hein. Vlasov est au-dessus, y'en a pas mal qui sont au-dessus. Hein. Je me suis mis 80 à montagne. Il y a Carapaz au-dessus, Vingue, Poga. Il y a Vlasov qui est la meilleure aussi. Je crois qu'on doit être équivalent à Godu et Landa et compagnie. Pono une bonne forme en plus. Oh. 85 pavés bonne forme, 84 pavés. Eh bien écoutez, c'est parti pour le show. Bonjour à toutes et à tous. C'est un exercice atypique et souvent. Un de l'étape. Ah, je sais pas en vrai. Moi, je pense il vaut mieux qu'on fasse tout péter et qu'on se régale que d'essayer de faire un et deux. En vrai de vrai. Après, c'est vrai qu'on a déjà gagné avec Tom. Ce serait bien d'en jouer une avec Fabian, non? Bah, non, je suis un baiser. On a gagné le prologue. Non, c'est bon, nickel. On va se mettre là. Bah non, protège pas Fabien BG. Aujourd'hui, c'est des pavés au menu. Ça va être nerveux car tout le monde veut être bien placé à l'entrée des secteurs. Faudra jouer des coudes pour garder sa place. Ouais, Vlasov solide, hein. Il arrive à revenir et tout. On remarquera énorme Vlasov. Le peloton et l'échappée diminuent. L'échappée creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Quel boulet, putain, Cadel! On a perdu Cadel. Enfin, on l'a perdu. Il est là, hein, mais. Bon. L'écart avec la tête reste. Plus d'avance. On va essayer, hein. La mage. Je crois qu'il est toujours pas arrivé si la mage sur Xbox. Au moins. Au moins, ils ont le choix parmi les leaders, Waynos. Ouais.
Mais moi j'ai rien compris parce que hier en rentrant j'ai demandé si c'était passé, on m'a dit Martinez était lâché. Mais Martinez au final il est là. Enfin j'ai pas compris. Ou alors il était dans le groupe qui est, que Van Aert a ramené, non? Et l'avant de la course entrera sur le premier secteur pavé. Et voilà, c'est parti pour le premier des 11 secteurs prévus aujourd'hui. De Villers-sur-Tertre à Fressin, 1400 mètres de pavé pour commencer. L'échappée perd du terrain. Ah ouais, les Ineos ils étaient avec lui, ouais. Ouais, Van Aert il a... En vrai, limite, c'est dommage pour les Arkea et la Groupama. Bon, on va demander à Wiggins et Ebonen. Ebonen. Bah non, et lui. Hop là, allez les collègues, ça part. Mais c'est dommage que ça revient, hein. Dommage que WVA est là et qu'il ramène tout le monde. Hein. Parce que sans WVA, il y a des groupes de partout et c'est un carnage. Hein. Après, sans Van Aert, Poga prend plus d'avance aussi. Donc, ne sera séparé du suivant que de quelques kilomètres. Les pavés vont s'enchaîner sans aucun répit et il sera bien difficile de réussir à combler les écarts. Masterclass, ouais, pas loin. Ouais. Mais moi, quand je vois le groupe, déjà dans ma tête, quand je vois Poga passer avec ce 1, je suis en mode quel enculé, il est trop fort. Et puis derrière, je vois Kung qui emmène David. Mais je suis comme un ouf, je me dis, mais quoi, il est déjà là? Parce que j'avais pas d'infos, je savais pas où il était. Et là, je vois la grosse carrure de Kung qui emmène David. Avec les deux, avec Quintana et Barguil dans la roue. Non, non, mais c'est. Oh, un film. Allez, ça part. Allez, Fabian! Ah bah là on est bien entouré là. Là ça va faire mal mais ça va faire mal à tout le monde. C'est pas juste leur dire de mettre à rouler c'est comme parti ça. Pour le troisième secteur de la journée, un secteur classé 3. Ça va faire bien mal. Les deux prochains secteurs comme ça là on fatigue tout le monde. Tout le monde sera cramé et dans le secteur intéressant là, boum, on place l'attaque. Contador est bien. Hein. À la sortie du prochain secteur, les coureurs en tête de course pour... Oui, c'est léger. Non, en vrai, ce qui est rassurant par contre avec David, c'est que oui, on peut pas tirer de conclusion parce que bah, y a pas une montagne, ça serait con. Faut pas s'enflammer, mais. Bon, par contre, ce qu'on est obligé de dire, c'est que dans tous les cas, il a fait une première semaine parfaite, quoi. Il est resté concentré tout le long, il a à chaque fois été hyper bien placé. Au final, la seule fois où il est pas très bien placé, c'est à l'approche de la bosse à Calais. Arkea. Ah oui, mais on le sait depuis un moment, ça. Bien se placer. Ah, ça, en vrai, c'est pas lui, hein. C'est grâce à l'équipe. Hein. Pardon. La tête de course en train. Parce que sans l'équipe, jamais... Jamais il est aussi bien placé, jamais il est à chaque fois dans les bons coups. Hein. 2800 mètres de pavé classé 4 étoiles. Alors, Wiggins Cancellara. Là, ça va se faire un secteur, mon pote. Écoute-moi bien. Okay. On va relayer à bloc. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Ah, y'a Van Aert avec moi? Qu'est-ce qu'il foutait là, Van Aert? Laisse-nous tranquille. Y'a Stuyven aussi. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui demain. Bah non, ça c'est juste la vérité, Axel. C'est... Il y aura pas d'échappatoire pour Thibaut, hein. Depuis le début du tour, vous essayez de dire que Majo il dit des faux trucs pour pas mettre la pression ou je sais pas quoi, mais non, pour le coup, Majo il a dit que Kung allait rien faire et allait être sacrifié à 100%, c'est ce qui s'est passé. Alors qu'il aurait pu faire un truc sur l'étape pavée, clairement, vu comment il était fort. Demain, Pino va être sacrifié, c'est ce qui va se passer. Hein. On le fait rouler, oui, on continue de le faire rouler. Intox.
Mais les gars, ça peut pas être une intox quand au bout de la 7ème journée, pendant 7 jours, ça a déjà été le cas. C'est-à-dire que si c'était une intox pareille, on l'aurait remarqué dès le 2ème jour de course. Genre c'est juste de la logique quoi. Genre Bardet qui annonce, je joue pas le général, mais que dès le 3ème jour de course au Danemark, on a vu que c'était pas vrai qu'il s'accrochait pour tenter un truc. Pas pour demain. Ah, il a jamais dit que Pino était pro leader. Depuis le début, il dit que David est c'est 100% pour lui. C'est maintenant le secteur de Warlin à Brion qui se présente pour la tête de. Donc, sérieux, Sacha. Ouais, j'ai pas pu ouvrir l'oreillette. J'ai failli me détruire la gueule. 800 mètres avant d'atteindre le secteur suivant. Il est pas mal, je crois, Conta. Merci Matadri pour le prime. C'est beaucoup mec. Allez, on continue. Par contre, ça c'est pas cool. Bon Dieu. Bah oui, ça va juste être l'inverse de 2019, hein. De toute façon, c'est. Il n'y a aucune intox, hein. Tant que David sera dans le coup du gène, Pino, bah c'est... il est logé à la même ancienne que les autres, quoi. C'est-à-dire que. Ça reste Pino, hein, mais. Bah, Pino, il sera équipier, quoi. Si David est 4ème et en position de faire podium du tour et qu'il est encore top 4, top 5 sur. On va attaquer là. Après les Alpes ou pendant les Alpes, t'inquiète pas que Pino, il va sacrifier, hein. Ils vont pas sacrifier un podium du tour. Pour une victoire d'étape, hein. Surtout pas pour le sponsor. Pour le sponsor, David qui fait 6ème du tour, c'est bien mieux que Thibaut qui gagne l'étape. Déjà. Ah oui, mais ça je dis pas le contraire, mais. Pour écouter certains, c'est une intox et demain Pino va attaquer, il va prendre l'échappée quoi. Et devant. Mais non, pour moi les deux seules étapes où Pino va pouvoir faire des trucs c'est peut-être l'Alpe et Granon quoi. Parce que ça reste deux belles étapes et bah, si Pino prend l'échappée qui la tape ou quoi c'est énorme. Bah non. Enfin du coup là comment on fait là Pino il a 6 minutes, c'est combien 4 4 minutes de retard Thibaut. 4 Pino. Ah oui, non, mais France TV, c'est des forceurs avec Thibaut. Il fait rouler des équipiers à fond. Il va falloir accélérer là. Il est où, Contador? Il est là. Oh, tu sais quoi, maintenant qu'on est là, on va demander à Cancellara d'attendre Conta. Il est avec Vlasov, Vingegaard, Roglic. Il y a quoi? Il y a que Poga devant? Là, il y a Godu, mais quoi? Là, il y a Poga. Non, on reste là, hein. Attends, Fabian, hein. Takam aussi. Oui, tu vois, mais genre une étape comme demain à la planche, impossible et 0% de chance de voir Pino devant et faire le kéké quoi. Surtout que c'est la première, c'est trop important. Sur une montée sèche, vu que c'est tout plat avant. À 5-10, Pino. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Pas plein. Mais là on part de l'optique David attaque et soit plus fort que les Slovènes du coup. Faut voir. Et voici la façon faudra voir. Secteur de Busigny à Millau-Fosse. 1400 mètres classé 3 étoiles. Pas de jeune. Mais je pense pas non plus hein. Imaginons un scénario où David arrive au Granon et à l'Alpe. Genre 4ème à peut-être 2 minutes de Poga et moins d'une minute du podium. Il n'y a aucun de la Groupama qui va être libre. Mais personne du. Absolument personne. Chez Lara. Ah oui, mais j'avais pas vu qu'il l'avait rattrapé. Je vais mettre à 90 hein, parce qu'après 11 bornes encore. Ah je pense que je tiens à fond là. Ah quoique.
Eh, en vrai, on a pas tant d'avance que ça. On est à 10 km. Pourtant, bro, quand tu es là, on l'a dégommé hein, dans les secteurs. Hein. Mais il reste encore un secteur pavé à emprunter. Équipier. Ah oui, mais les gars. Mais je vais vous dire un truc, hein, mais. Vous réagissez comme ça juste parce que c'est Pino, genre, c'est. C'est tout, hein. Il va essayer de partir juste parce que vous l'aimez bien et que c'est Pino, hein, c'est tout, c'est vraiment fou. Hein. Genre, c'est une autre équipe avec un autre leader qui font la même strat et qui empêche le lieutenant de partir et de tout mettre sur un leader. Personne dit rien, il n'y a pas de scandale. Hein. Parce qu'en soi, il y a beaucoup d'équipes qui partent avec cette stratégie là. Hein. Bah oui, moi ça me choque pas moi, mais après je peux comprendre que les gros fans de Pino ça leur fasse mal, mais bon Pino se met dans la tête hein, et Pino il gagnera pas de tour quoi. Pino sa chance c'était 2019, c'est tout hein. C'est Pino maintenant c'est, faut tourner à de page hein, Pino leader sur le tour. Et peu importe que ça soit qui leader devant lui hein, que ça soit David ou un autre, je m'en branle, mais Pino, à un moment donné, faut tourner la page. Hein, c'est pour des échappées, des victoires d'étape, maillot à poids, oui, mais gagner le tour ou jouer le gêne. Bon. Plus que 3 km. Non, c'est fait lâcher. Effectivement. Y'a qui là? Y'a tout le monde? Non, je crois ils sont derrière encore. Ah, je sais pas. Rogic est loin, mais vas-y, il faut qu'on arrête de regarder Rogic, c'est un réflexe, mais. Y'a Bardet? D'accord. Le temps, c'est Godu. Oh putain, qu'est-ce que c'est énorme le mois de juillet. Oh, il m'a dit quoi, je dis Nimp, c'est Pino leader. Ok. Bon les gars, écoutez, si vous trouvez que je dis Nimp, bah, allez MP Majo et dites à Majo qui dit Nimp vu que c'est lui qui le dit depuis 3 semaines quoi. Pour le coup. Pour le coup, c'est pas moi. Hein. Pour le coup, c'est pas moi qui est en train de sortir des. Genre, c'est pas moi qui me dit mon avis là, c'est juste. C'est Majo qui le dit quoi. Majo est le boss de la Groupama, donc je pense qu'il est plus à même que moi ou vous. Pour parler quoi. Mais bon. Là, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est ton pote. Mais non, mais putain, mais Léo, bouffon. Gros, t'écoutes pas, t'es sourd, tu fais exprès ou alors t'es guignol. Je sais pas. J'ai dit peu importe, même si c'est Storer ou Madwast, on s'en branle. Mais ce soir. Ouais, non, mais ça, c'est l'ambiance Tour de France. Ça. Les gens qui regardent que le tour qui n'écoutent pas, ça me rend ouf. Ah, c'est un enfer. Oh. C'est un enfer. C'est un enfer. Deux secondes. Bon, ça va, on gagne. Gros, le mec, il me fait... Genre là, c'est pas moi qui... Pour être leader du gène. C'était un exemple, Léo. Ok, mais Léo, écoute. Léo, tu es juste con, Léo. Désolé, hein, mais... Ouais, là, t'es juste trop con, quoi. Là, t'es juste le roi des idiots, hein. Je vais pas te mentir. Désolé de te parler comme ça, mec, mais... Ah non, là, t'es juste un idiot level 10. Cette étape est pour... Oh, putain. Oh, le roi des cons. Bon, pardon. Hein. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de... Il troll. Ah bah, j'espère qu'il troll, hein, pour lui, parce que s'il troll pas, bizarre. Le cerveau est ravagé s'il troll pas, hein. De gagner le tour. Bah oui, mais ça on l'a jamais dit hein. Mais vous savez que depuis tout à l'heure c'est pas des suppositions ou des avis qu'on donne, genre c'est juste c'est l'équipe qui le dit, même Pino lui-même le dit. Oh, à partir du moment où Pino, le principal intéressé, a dit que lui, pour lui un tour réussi c'est si il place David sur le podium, genre il l'a dit de sa propre bouche. Le
Même modo, c'est vrai ça, Nono. C'est vrai. Ça va, et Contador. Mais attends, ça a pas été compté là. Bravo les gars, félicitations à vous. Peut-être léger, mais. Statut de favori, 2-16. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. Ça va. Prends le maillot vert, c'est une bonne journée. Non, ça va, il y a 25 secondes. Ça va, ça va. On s'est fait kiffer et en plus on n'a pas pris tarif. Magnifique. Bonjour les gars. Et maintenant il y a un chrono. Et après la planche. Et après la montagne. Important de faire ce chrono à fond pour rester. Pop-up. Putain, pour Ito déjà qu'il a 62 chronos au plus bas, ça va piquer. Hein. Il est dans les 5 premiers du classement général et il ne va pas tarder à partir. C'est un contre-la-montre crucial. Allez, applaudissez-le comme il se doit. Ouais, le troll. Ah non, je sais pas, hein, le truc c'est... Par contre, la cam. Ok, j'y ai pensé. Ah, le truc c'est que généralement, on était les trolls... Bon, c'est pas qui troll pas, quoi. Parce que je vous jure qu'il y en a beaucoup qui sont premier degré, on dirait que c'est des trolls, hein, tellement c'est des idioties que ça sort, mais... Les gens dans ProTeam. C'était trop bien, ça, en vrai. Moi, je trouve ça dommage qu'il l'enlevait, ouais, les gens dans ProTeam. Objectif. Bah oui, mais ça, c'est l'argument ultime, là, ça, les gars, c'est... C'est normal, ça, c'est... On a plus le droit de rien dire sur David, hein, vu qu'il il passe sur le chat ou quoi. Allez, reste concentré, c'est bien. Oui, mec. Lui, il est haut. Ouais, fin du débat. Très très belle phrase, Kalnenen. Mais c'est moi où, par contre, au moins 3 fois par semaine depuis la sortie des jeux, on a cette même discussion là sur Pino David. C'est énorme. J'ai l'impression qu'on en parle tous les 2 jours. Genre littéralement, hein, c'est. Regardez ça. Genre, je suis persuadé d'avoir déjà eu cette discussion avec vous. Hein. Il s'est déjà passé ce qui vient de se passer. Sérieux. Et de toute façon, à partir du moment où... et après on n'en parle plus, on s'en bat les couilles, mais... À partir du moment où c'est l'équipe et les coureurs intéressés qui le disent, bon, je pense qu'on a juste à fermer tous nos gueules, que ça soit vous, que ça soit moi, que... Juste, il n'y a pas de ça bluffe pas, juste Pino lui dit le même, il n'a pas envie de jouer le général, il va aider David. David dit je serai leader. Macho, le big boss de l'équipe, il dit c'est David leader, Thibaut équipier, il peut pas prendre l'échappée. Bon, à partir de ce moment-là, nous on ferme nos gueules et on regarde la course, quoi. Hein. Genre, bon, c'est pas nous qui payons David et Thibaut, quoi. C'est pas nous qui décidons, hein. Allez, on continue, allez. Ah, la mage. Ouais, Théo va te faire enculer, hein. Ah non, Théo, c'est trop. Là c'est le culot incarné, non. Ah non, désolé, Théo, mais... Ah là, va te faire foutre, hein. Ça commence à être long. Eh ben, j'espère qu'elle arrive jamais, que ça sera très très long et que tu vas passer un été de merde, Léo. Non, 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 c'est bon. Oh, c'est une blague. Bon, désolé, hein. Et désolé aux autres qui sont sur Xbox, du coup. J'espère pour vous, elle arrive, mais que Léo a un bug et que lui, il l'a pas. Mais bon. Oui, mais c'est différent, tu le vois direct. Attends, quoi? T'es pas dans le rythme. Bah ouais, mais gros. Tu peux faire mieux. Tu vois mal. Mais je suis aveugle parce que je suis trop aveuglé par David Gaudu qui est trop beau et je suis fan de lui, mec. C'est pour ça, Léo. J'allais encore la péter haut.
ça remonte. On barre de fou là, non? Il faudra relancer rapidement après pour reprendre de la vitesse. T'es où, s'il te plaît? Mais les gars, il est gentil, enfin, il dérange personne là. Tu arrives dans une portion très sinueuse. Ajuste bien ta trajectoire. Allez! C'est rare, je pense. Ouais, mais en fait, ce chrono, j'ai du mal à gérer en vrai. Parce que à chaque fois, j'ai peur de trop donner et je donne pas assez. D'ailleurs, non, je pense, ouais. Faut voir. Peut-être Kung. Scorito. Moi, j'avoue que j'ai oublié mon équipe dimanche dernier. Et là, vu que j'étais pas là, j'ai vraiment pensé à tout sauf à Scorito, hein, je vais pas te mentir. Prochain temps intermédiaire dans 1 km. Ah oui, mais... La descente est très rapide. Prends le temps de souffler si tu en as besoin. Oh, attends, il y a un virage de fou. Après, il y a que du plat et la montée finale. Vous êtes combien, vous? 1400? 1200? Oh non, je tombe. Salut. Ça vaut quoi, mes fly? Non, mais écoutez, au moins on l'a vu venir, quoi. Au moins, on peut pas dire qu'on a été surpris. Plus que 10 km. Allez, courage. Compliqué, hein. Mais je suis au leader. Putain, là aussi, il y a des bases sur leadership, là. Ah, putain. Oh, le con. Oh là là. Entre le fait qu'on va pas à fond au début et... Oh là là. Catastrophe. Oh, bah j'en garde. J'en ai gardé un peu trop. J'ai même fait des arrêts pique-nique, mec. T'imagines? Des arrêts pique-nique avec des supporters. C'est énorme. Prochain temps intermédiaire est dans 1 km. Allez! Combien? 32, 37? Ça va, on a que 1,20 de retard sur Owich. Je vous jure qu'on va gagner le chrono. Vous allez voir. Vous me croyez pas, mais... Après le prochain virage, tu vas entamer la bosse finale. Elle fait 2,5 km. Allez, plus que 2 km. Allez, allez, allez! Allez, mon gars! On reste concentré sur les... Benga, benga! Allez, allez, allez! Allez, Alberto! El pistolero! Allez, mon pote. C'est bientôt la flamme rouge. Bon, Wiggins va gagner le chrono. 11 secondes d'avance sur Roglic. Le dernier kilomètre est un peu plus facile. Allez, on finit au courage. Allez, au courage, Alberto. T'as compris ou pas? 38, 40, 58, Roglic. On est déjà derrière. On est qu'au panneau des 500 bornes. Allez, allez. Vas-y, t'es presque arrivé. j'ai dit 500 bandes, ouais. Ouais, 500 bandes, c'est un peu long pour un chrono. Bon. Début juin, il est sorti, Matisse. Il est tout sourire au moment de monter sur le pod. Il va monter sur le pod. Il va... On a gagné, hein. En vrai, on a gagné, hein. Bravo, les gars. Félicitations à vous. Ouais, 38e, on est dans les temps de Cadel. Bravo pour cette victoire. Bon. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Attends. Non, c'est pas mal. Bien joué Alberto. On est un petit jeune, hein. Faut qu'on confirme. Hein. On est juste derrière Bardet. Bardet, il est pas mal en chrono. Hein. Il s'est amélioré. Hein.
Ah putain, va y avoir un débat sur le leadership. Oh, on n'en peut plus. Bon, Léo, tu nous conseilles quoi là? Parce que du coup, c'est lequel qui est finito, c'est lequel qu'on doit sucer et pas l'autre. Enfin, on sait pas là. Là, faut faire un choix là. Non, mais écoutez, non, en vrai, ça va. Hein, une 35, ça va en vrai. Fonction de la forme. Non, non, mais les gars, c'était juste pour une lavane. Hein. C'est-à-dire que, bon, dans tous les cas, Wiggins a 75 montagnes. Hein, donc. Putain. Je ne donne pas plus de. Ah, 14 ans à Léo, je pense. En vrai. En vrai, je t'en veux pas, Léo. T'as l'air d'être sympa. Bonjour, les gars. Un peu trop fan de Pinot, mais sympa. Une insulte pour moi, ça. Pardon. Désolé. Oh, puis quoi, le super pic. Oh, ça va relancer le débat dans les journaux. Ah, les tweetos qui vont dire putain, c'est scandaleux, Hugo, pas leader. Ouais, ça me fait un peu peur, ça. Ça me fait un peu flipper, on va pas se mentir. Bonjour à toutes et tous. Avec ses pentes comprises entre 8 et 24%, la planche des belles filles fixe un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui espèrent endosser le maillot jaune. Ah oui, non, mais en vrai, je vanne, hein, mais chacun pour ce qu'il veut. Hein. Ce qui me fait juste rire, c'est certains avis, alors que bah, c'est écrit noir sur blanc, quoi. Après, tout le monde est fan de qui il veut. Hein. Moi, le premier, j'adore Pinot, hein, mais bon, c'est juste que. Bah, c'est faire du mal pour rien, c'est se faire du mal pour rien, quoi, de te croire que Thibaut peut encore jouer un grand tour, quoi. C'est britannique totalement, Lloyd. Mm. L'échappée possède 30 secondes d'avance. $5 sur David pour demain. Stabilisé. Mais non. Dakota, t'as combien pour demain? Le peloton roule fort, restez bien placé. Armstrong dans la Dream Team. Je crois qu'il y a une année, il y était Armstrong, non? Échappée terminée. Putain, mais Léo, c'est quand je te défends que tu... Putain. Trop gentil, quoi, et moi j'arrive à le défendre. Je suis trop triste. Ah, la différence n'est toujours pas faite. C'est vraiment difficile de sortir aujourd'hui. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Mmh. Loïc Léo. L'écart reste stable entre le peloton et les échappés. L'avance de l'échappée diminue. Ça va être difficile pour eux. Tu qu'a dit Wevea. Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu ce qu'il a dit, Pitcock. Non, il a pas dit. Il joue avec nos boules aussi. Celui qui passera en tête lors du sprint intermédiaire marquera 20 points. Tant t'adore, mon leader. 17 points, alors que le troisième prendra 15 points. Les coureurs pourront marquer 2 et 1 point pour le classement de la montagne au sommet du col. Un top Thibaut. Les hommes ont aussi, hein, tuture. Putain, bizarre de taper tuture. Merci d'Arteliao pour le Prime. Merci beaucoup. Mais pour moi aussi, hein, moi j'espère que Thibaut. Et je pense que sur l'étape de l'Alpe du Granon par exemple, il pourra y aller. Mais demain, ça me paraît logique, quoi. Et même demain, il n'y a pas le profil dans tous les cas. Genre même si, en vrai, même dans l'optique où David est genre à 18 minutes, il s'est ramassé la gueule 3 fois sur les pavés. L'intérêt de partir demain, vu le profil... J'y crois vraiment très très peu à une échappée qui va au bout. Hein. C'est pas comme en 2019 où il y avait eu le relief de fou avec le ballon d'Alsace et tout avant. Là, c'est vraiment tout plat, quoi. Il a dit, j'ai une grosse paire de pins, il fait passer leur des idiots. Merci au Grifier pour le prime aussi. Merci à tous ceux qui laissent leur prime. Planche à David. Bon, il va le protéger, il va l'emmener, hein. Bah, comme en 2019, mais t'inverse, quoi.
course de côte. Bah, je t'aurais dit oui, peut-être, mais bon, il y a un petit gars, il s'appelle Poga, quoi. Et généralement, avec Poga, il y a très rarement des courses de côte. C'est vrai, il revient demain, les gars. Les mines, et ils vont bientôt débuter l'ascension de la planche des belles filles. Non, mais dans tous les cas, demain, c'est pour une échappée. Faut être motivé hein, pour partir. Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Mais non, Gossens. Oh non, abandon. Oh, Gossens qui se casse, quoi. Ouais, genre la course de côte, demain, j'y crois pas trop. Après, ce qui peut faire peur, c'est généralement c'est ce qui se passe quand t'as des étapes hyper dures avec un final hyper dur, c'est que là c'est la super planche et à la fin t'as la terre là où ça part en couille. Il y en a beaucoup, je pense, ils vont avoir peur de se découvrir pour pas se cramer. Ça c'est un risque, en vrai. Des favoris demain. En vrai, ça peut. Moi, ce que j'espère pas, j'espère ne pas voir Poya mettre une minute au deuxième demain. Oh, sinon, quel enfer. On va la regarder en live l'étape demain saison. Je lance le live. C'est ça, on voit Van Aert. Ça s'en vaut pas mal. Hein. Demain. Moi je trouve que c'est dur à visualiser quand même parce que lui Poga il parlait au-dessus mais je trouve pas que le niveau est aussi faible que l'an dernier par exemple. L'an dernier c'était vraiment faible derrière Poga. Là pour le coup t'as Vlasov, t'as Vingegaard et départ Roglic. T'as les petits Français ont l'air pas si mal pour le moment par des Gozu. Le vainqueur du jour marquera 10 points supplémentaires au classement du meilleur. Il y en a d'autres aussi, je les ai peut-être pas en tête direct, mais ouais les Ineos aussi qui sont groupés là. En plus, Vlasov, il a une vraie équipe avec Bora. Genre, il y a vraiment plus d'adversité que l'an dernier, donc... Console. Oh, ça fait un moment, oui. Sauf Xbox. Mais Play 5, Play 4, Xbox Series X, oui. Ça a été fait la veille du tour, je crois, non? La semaine dernière, avant le départ de Copenhague. Shanks. Non, Timon. Désolé. J'essaye de répondre à Max. Hein, mais... de l'arrivée pour l'homme de tête, mais le plus dur reste à venir. Avec le dernier. Est-ce qu'on tient là? À plus de 10% de pente moyenne et ses passages à plus de 20%. Attaque de Gaudu. Bah d'ailleurs, en parlant de Bardet, ah mais on est parti à 13 là. Attends, Wiggins c'est mieux que moi, mais bon. Ouais. Affûté. Ouais, je sais pas, j'ai du mal avec Mas, mais ouais, peut-être. Hein. J'avoue que, mais ouais, c'est vrai que Bardet, en tout cas, le final lui correspond 100%. L'homme de tête, c'est du Bardet. Deux derniers kilomètres de cette étape. Sur papier, c'est Bardet à fond. Une portion un peu moins pentue avant de s'attaquer au pourcentage les plus exigeants de la planche des belles filles. C'est normal. Pas trop, non. Mais bon, c'est possible, hein, YouTube des fois, tu sais. Sans faut dire qu'il y a l'étape tout le temps à midi, hein, à 10h, pardon. Bardet et toujours devant, incroyable. Qui aborde le dernier kilomètre et ses rampes très pentues. Allez. Je pense qu'on garde tout le rouge, hein. Allez, allez. Allez, mon Alberto, la première peut-être. Ça peut débouler sur une bonne forme. Hein. Allez, on lance. Allez, Alberto. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'aurais même pu lancer d'un peu plus tôt, mais j'avoue que j'ai un peu flippé. J'ai un peu flippé à l'idée que ça soit beaucoup trop dur. On n'a même pas célébré, on s'en bat les couilles. On a fait de la merde sur le chrono, faut reprendre du temps. Ouais.
Alors, préparez-vous à célébrer. 3, 2, 1. Pour la première fois, 2019. Il était là, Bardet, en 2019 ? Putain, je me souviens même plus. Attends, parce que là, il est où, Poga ? Ah oui, il en a rien à foutre. Ouais. Ah oui, c'est l'année du maillot à poids dégueu, ouais. Pour lui. Il a été le plus fort. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Oui, non, c'est l'année où il prend le maillot à poids sur une échappée random à la fin, là. Non, c'est... Bah non, 2018, c'est Alaf. Ah non, 2019. Oh, je confonds les années. Oui, non, 2019, oui, c'est Bardet, oui. Donc, les autres favoris en 2019. Ah, mais non, mais je crois que tu confonds quand tu dis Bardet à la super planche 2017, mais c'était pas la super planche encore. Parce que 2017, c'est l'année où il est pas mal, Bardet. Ou Haru gagne la planche. Oh, les abandons. Oh, Boissenaïen. On est repassé devant notre équipier. Et ça, c'est magnifique. Une 18 sur Poga. Maillot de la montagne. Avec Alberto. Magnifique.